Bonsoir, je suis Bob Lennon, et aujourd'hui, les pirates rouges menés par un pirate random et Monkey D. Luffy, double Guy, voilà, contre l'équipage du pirate bleu dans lequel se trouve le redoutable et l'invincible Jack Sparrow, oh là là, qui ne perdra aucun procès face à des fautes sans aucune pitié. Il y a aussi Sogeking derrière qui a abandonné son bâton pour des lunettes de soleil et un Deagle, mon gars, qui est chargé à bloc. Regarde ça, la violence. Et on est prêt aujourd'hui dans Totally Accurate Battle Simulator. Let's go. Comment c'est la violence? Alors du côté, par contre, nous avons tout. Il y a des canons, il y a des catapultes, il y a des mecs qui se suicident dès le début. Ouais. De toute façon, Lennon nous a mal placés, alors c'est tout ce qui nous... Oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, ah. Oh, le boulet! Ouah, les mecs! Oh, heureusement que j'étais protégé par le poteau! Comment va Philippe? Bah, il va mort. Excellent, impeccable. Alors que des balles et des flèches s'échangent déjà. D'où sortent ces flèches? On ne sait pas. Tout est mystérieux. Où est Monkey? Oula, oula, attends, il y a Monkey D. Tadom là. Je sais pas où est passé Monkey D. Luffy. Il me dit pas qu'il a coulé déjà. Ah, il y a déjà des hommes à la mer. Ça va tellement vite. Ouah, lui il est tombé avec son balai. Mais je faisais juste mon travail. Lui il tombe avec sa bouteille, regardez ça. La mer qui plébiscite tous les minutes. Il essaie de se rattraper. Comment c'est beau. Oh là là. Ce high kick arrière, par contre, la grenade qui ne pardonnera absolument pas. Ouh. Oh là 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 là. Tandis que Jack Sparrow tente une percée à travers les balles et les boulets de canon qui l'ont touché dans la bite, lui. Il est là, ah, castré. Mais j'ai le temps de faire un dab. Sauf qu'on n'est plus en 2018, donc c'est déjà passé de mode. Un geste honorable. Ouh, mais ça c'est un tirailleur. C'est pas moi. Ce tirailleur dans le cul. Cette faciale dans le boucanier. L'important, le mot important dans boucanier, c'est bouc. Voilà. Tout ce combat au ralenti est absolument formidable. Ici passe des explosions. Sogeking qui lui, voilà, comme je vous ai dit, s'en bat les couilles. Il vide son chargeur. Il est en mode, il fait des rap battles sur TikTok, tu vois. Il s'en contrefou. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, en tout cas il lui fait frais. Ouh. Alors le roi avait tenté de prendre un otage. Enfin le chef des pirates a tenté de prendre un otage. État de l'otage. Alors lui il est fort lui. Multifacial frontal. T-pose. Ah, il se fait bourrer par son pote qui plonge en avant. Quelle est cette stratégie inconnue et méconnaissable? La stratégie de l'étoile de... Ah, la stratégie de l'étoile de mer qui a échoué face au chef des pirates qui contre-attaque en force. Ah, par contre il va bientôt glisser. Il va peut-être glisser du pont et c'est la chute. Non, il peut encore s'en sortir. Non, il ne peut plus s'en sortir. Adieu, petit ange, parti trop tôt. Forcé de prendre un bain, il abandonne immédiatement. Sogeking en confort. Sogeking qui recharge tranquillement son arme. Sogeking protégé. Sogeking hydraté. C'est tellement beau, les balles qu'il tire avec. Ah putain, il s'est retourné parce qu'il vient... de kill tout le monde. PTDR, ce screen est parfait. Ce screen est exceptionnel. God Usopp. Et les bleus sont en train de gagner de manière assez unilatérale. J'ignore où est passé Monkey D. Luffy Kirtou, mais il a dû se noyer dès le début, je pense. Il a dû se suicider dans la flotte. Par contre, toi, il faut viser mieux, frère. Hein.
Ça a touché? Je l'ai eu! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Oh, ce kill! Ce Usopp qui sombre dans les abîmes! Oh, comme tel Terminator 2! Regardez-moi par contre, voilà, les restes de cet océan de cadavres. Il y avait un autre Usopp normal hein, qui lui est mort. Oh putain, mais c'est magnifique. Ah, il est là! Il est là, Luffy! Il est là, il s'est noyé comme tous les autres. Davy Jones n'en a pas fini avec lui. Qui reste? Il reste deux mecs. Deux mecs qui se disputent. Le cadeau est à moi. Non, il est à moi. Lâche, c'est à moi. C'est à moi, je t'ai dit. J'hésiterai pas à m'en servir. Ah, il approche. Il approche. Ah, fais quelque chose. Tout est dur pour ce pirate. Tout a l'air compliqué. Tout a l'air complexe pour lui. Putain. Je sais pas qui j'ai touché, mais c'est la win. Absolument inexplicable. Elle est fantastique. En vrai, cette map bateau, elle est absolument fantastique. Laissez-moi juste rajouter plus de voilà, plus de Straw Hat. Un Sanji à gauche. Un Zoro à droite. Un Jinbei, allez. Perso, j'aime pas le perso. Mais c'est toujours drôle. Afro Luffy, on a déjà mis. Un Giant Luffy. Pour le plaisir. Sogeking, on l'a déjà mis. Sabo pour... On va mettre un Trafalgar Law. Juste pour montrer à quel point le perso est obscène. À quel point il est absolument obscène. Les pirates... Plus de privateers. Plus d'unités, voilà. Davy Jones. Le terrifiant Davy Jones. Le commandant. Il a l'air imbloquable aussi. Des balayeurs. Absolument essentiel. On va même en être un là, pour le plaisir. Des maîtres des pistolets. Ils sont un peu nombreux au-dessus là, ils serviront à rien, ils vont mourir. Voilà. Des gardes. Non, des mecs au coutelas. Ça commence à faire beaucoup de monde quand même. Hein. Un chariot, est-ce qu'on a un chariot dans le tas? On a le comte Dracula. On a des hors-la-loi à cheval. C'est toujours drôle. C'est toujours hilarant. Secret, est-ce qu'on a Brouette du dragon? Ah, il y a plein de nouvelles unités que j'avais pas débloquées peut-être sur cette sauvegarde. C'est brave, d'un géant de glace. C'est mitrailleuse Gatling. Voilà, on les met en face pour le lol. Avec un cavalier, deux cavaliers, trois cavaliers, quatre cavaliers, cinq cavaliers. Qui vont immédiatement mourir, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Une baliste. Et ça, c'est vraiment pas assez drôle. Hein. Y a plus la place. Y a plus la place. Non, attends, là, ça marche pas. C'est pas la place, c'est sans déconner. Y a plus la place. C'est bon, on a réussi à caler une baliste. Voilà, une baliste, ok, de chaque côté. C'est pas assez drôle. Les pirates, où sont les pirates? Pirates sont là. Pistolet Silex, tromblon, canon, capitaine, reine pirate, des tromblons. Pistolet à silex, bien sûr. Et enfin, un docteur Chopper pour For Good Measure. Enfin, le côté rouge est légèrement avantagé. Je le remarque seulement maintenant. J'essaie de regarder s'il n'y a pas des trucs complètement pétés qui pourraient être très drôles. Un vieux dragon, non. Un archer d'élite, non plus. Médiéval, non. Des arbalètes, non. Des orques. Dans le tas, je mets un Warboss. Parce qu'il n'y a plus aucun respect, voyez-vous. Il n'y a plus aucune direction. Où est-ce que j'ai sorti mes Pirate for Gumi. Là, let's go. Swashbuckler, yeah. Un roi des crustacés.
Un maître du pistolet. Un lance-roquette. Allez, c'est parti. Dès le début, il y a quelque chose qui a été tiré, je ne sais pas par qui, je ne sais pas où, je ne sais pas par où. Ah merde, attendez, du coup on a raté la charge principale, excusez-moi, c'est moi qui suis mauvais. Je suis à chier, on recommence. Pouf. Ambiance pirate. Dès le début, c'est la joute. Sire de Mortecouille et seigneur Lance-Vulve qui se sont affrontés sur le champ d'honneur héroïquement. C'est malheureux. C'est terminé pour Sire Lance-Vulve. Ah là là, il le suit dans les tréfonds des ténèbres. Alors que les explosions ne font que s'intensifier, ils se suivent, regardez, pour se battre. Ce tir de catapulte, absolument raté. Tandis que de l'autre côté, est-ce qu'il y a déjà Monkey D. Luffy à la flotte? Il fait partie des premières personnes à partir, donc... Non, il y en a là. Ils ont l'air d'être là. Ils sont tous les deux là. Les deux Luffy sont là. Le Gear 5 et le Luffy normal. Ils se massent, ils s'accumulent. Alors que ce tir de catapulte... Ce tir de catapulte! Recule! On peut pas plus s'enculer! Ah, je vais l'arrêter avec mon front! Roger, tout ce que je voulais te dire, c'est que j'adore ta vie! Ce degré de violence! Ce cheval qui est envoyé en torpille! Alors qu'un mec a de la dynamite à bord! Ça ne fait aucun sens! Va comme le vent, pile poil! Ouah, il se rattrape. Ouah, et là par contre ça va être difficile de rattraper. Oh, le cheval il tente l'action. Le cheval qui rattrape l'action. Non, là c'est la chute. Là c'est la chute. Tu peux essayer de te rattraper frère, mais ça ne te sauvera pas. Voilà, tu vas sombrer avec Davy Jones. Tandis que de ce côté là il y a toujours un chevalier qui... Comment dire, un cheval qui bloque la route. Je ne sais pas comment lui est mort. En tout cas il se tire dessus à l'infini. Mon dieu, ça ne fait aucun sens ce qu'on le regarde. Ouh, bouc. Oh là 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 là. Wouh. Ah, il fait nuit. Pourquoi il fait nuit soudainement? On ne sait pas, la lumière a décidé de se barrer, il y a un bateau qui coule. Il y a un mec qui fait un front flip absolument héroïque, sauf qu'il est mort. Voilà. Tout le monde est en train de sombrer au fond de la flotte. Ah voilà, Monkey D. Luffy. Ouais, il était dans l'eau. Un saut inespéré. Malheureusement. Voilà, il est en train de fondre là. Ouais, c'est fini. C'est fini, il est en train de fondre les enfants. Alors que du côté des bleus, le front a l'air de plutôt bien tenir. C'est du côté des rouges que c'est la pagaille. Il y a même un Monkey D. Luffy géant mais qui ne tient pas du tout la bite. Il y a un... Oh attends, C'est Trafalgar Law qui fait des Void Space. Mais enfin il se fait... Non, il ne se fait même pas expulser. Il tient. Ce personnage de One Piece avec les pouvoirs les plus pétés de la planète, mais qui a été nerfé sous terre à la seconde où l'éditeur a pu lire le manuscrit de Oda et qui lui a dit: mais tu te rends compte, ce perso est 1 milliard de fois trop pété, tu me nerfes ça, mais tu me nerfes ça, mais sous Hadès dans les Carpates, tu me nerfes ça dans tous les enfers religieux qui existent. Voilà, c'est ça. Et allez, barre-toi avec tes pouvoirs pétés qu'on servit à rien. PTDR, un médecin. Il explose en plus. Qui est ce héros qui meurt au loin, crucifié pour nos péchés? Tony Chopper, nous ne t'oublierons jamais. PTDR, allons-y. Ah, enfin, ça a commencé à se battre, là.
Parce que Luffy, il t'en a fallu du temps pour imaginer que tu pouvais être un Luffy géant après avoir vu Piccolo le faire au Budokan Tenkaichi dans Dragon Ball. Hein. C'est pas que t'es un peu en retard sur les pouvoirs, mais t'es un peu en retard sur les pouvoirs. Qui se fait démonter là? On ne sait pas. On ne sait plus. Ça se fait démonter. Trafalgarlo est mort, hein, on est d'accord, il peut pas se téléporter. Mais ce troll est petit dab. Il a survécu envers et contre tout. Ce perso n'a pas été assez nerfé. Il y a Usopp qui se cache. Il se cache derrière les barils. Mais ça ne suffira pas. Pour Usopp, tout est compliqué. Ouvre le feu, Usopp. Il t'a pas touché, il t'a pas touché. T'as toutes tes chances, regarde, il est bloqué. Il est bloqué, le tonneau. Ah oui, mais il peut se téléporter sur toi, mais c'est OP. C'est OP, c'est OP, c'est OP. Sors de là, Usopp, sors de là. Usopp qui s'envole. Usopp. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. Usopp qui se met debout sur le baril. Esquive. Raté. Bel essai. Aïe, l'explosion. Ouh, la téléporte. Dash cancel dans la téléporte. Ouh. Il faut que tu contre-attaques, mon frère. Faut pas que tu te laisses faire par ce sous-perso. Bob parle mieux de Trafalgarlo. J'y peux rien. J'aime pas son poney. Après, c'est juste moi. Non, mais tire pas. Où est-ce qu'il tire? Où est-ce qu'il tire? Usopp ne vise jamais au hasard. Cette flèche a un destin, brave Jean. S'il vous plaît, je fais le mort depuis le début. Je veux pas me faire prendre par cette flèche. J'espère qu'elle vise pas mon cul. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Très bien. Pendant ça, là, l'autre triche avec ça. Avec... Ah, c'est ça. Il triche complètement avec sa zone de Jujutsu Kaisen. Ah bah oui. Ah bah oui, forcément. Les deux adversaires sont affaiblis par les combats, tandis que la garde meurt mais ne se rend pas. Eux, ils ont tout compris, ils sont restés sur place. Et le War Boss de Warhammer 40 000, c'est littéralement un chef orc, a décidé « Non les boys, ça c'est une bonne stomba, on aime les combats comme ça, j'arrive, mon encre est juste un peu coincée. » Alors lui, il est en train de supplier, je sais pas, il est en train de prier Chrome. Est-ce qu'on peut te dégager, mon grand? Oui, c'est bon, nous avons réussi à le dégager. Est-ce que le combat entre... Oh! Oui! Non! Ah, il lui a tiré dessus, mais double cancel dans la téléporte! Oh là là, il est encore en vie! Ah! Ce combat est acharné! Il est mort? Il est mort! Il a été vaincu! God Usopp, nous ne t'oublierons jamais! Prime de 17 milliards de berries! Pauvre God Usopp, même Emmanuel Macron n'ose pas en parler aux infos! Allez, tu vas pas s'écrouler. T'as Trafalgarlo, par contre, qui va rincer le pays à lui tout seul. Il reste encore Giant Luffy! Attends, je sais pas où je suis là. Je sais pas où je suis. Oh, c'est Giant Luffy que je visais là. Debout! Debout, debout, debout! Fidèle Gunmaster! Fidèle maître des flingues! Est-ce que tu t'es fait rincer? Ouh! Il a raté la couille! T'as encore un flingue! T'as encore un flingue! T'as encore un flingue! T'as encore un flingue! Me fais pas ça! Tu le tiens, arrête de l'ausculter! Joue pas au docteur! Oh là 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 là! On ne sait pas s'il est encore en vie! Il est encore en vie! T'as mis le stéthoscopise, quoi. Oh là là, il croise les bras. Oh là 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 là. C'est une jaquette de rap, je te jure. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça, c'est la prochaine... c'est la prochaine jaquette de Snoop Dogg. Ça veut rien dire. Ah non, mais là, il a tiré au cac, mais l'autre a fait sa téléporte dans sa téléporte, malheureusement. Regarde ça, il s'est volatilisé dans les ténèbres. Il est réapparu en dessous. Pour éliminer les pauvres qui demandaient qu'à rester tranquillement au bar. Tandis que Giant Luffy ne sert strictement à rien. Je vous jure, tout est complexe pour le Giant Luffy. Allez, tu peux te dégager, mon frère.
Ah, il est dans la zone. Il est dans la zone, il est dans la zone. Il est dans la zone à l'autre débile. Alors, ça continue de tirer en attendant, mais contre qui? Ah, contre une catapulte. Ah, il avait pas de yeux, lui, il faisait flipper. Oh non! Oh non! Notre belle maison! Oh, t'en fais pas, Frédéric, on pourra en acheter une. Mais Gisèle, tu piges pas! On se fait tirer dessus! On pourra acheter d'autres murs aussi. Gisèle! Sinon, j'ai drôlement envie, là, tout de suite, tu me... Non, mais Gisèle! Gisèle! Oh, bah écoute, de toute façon, on va crever, alors autant tirer un coup. Meanwhile... La garde meurt, mais attend patiemment que vous ayez fini de baiser! Oh putain, Luffy! Luffy, il a survécu! Luffy, il est là! Ah putain, Luffy, il a chuté. Non, non, je chute pas. Luffy, debout. Non, Luffy, je t'en supplie, Luffy! RIP Monkey D. Luffy, alias le débile qui savait pas nager mais qui voulait conquérir toutes les mers. Quand il repense, c'est pas vraiment une bonne strat. Hein. Cette balle, par contre, elle a touché. Oh, il a esquivé ça, mon gars! Oh, il y a un mec, il est mort à plat, mais lui... Le dodge est réel. Hein. Meanwhile, il y a Trafalgar Fraud. S'il te plaît. Tu dois affronter les mecs, va les affronter honorablement. Voilà, s'il te plaît. T'es pas Gaara, frère. Fais au moins en sorte qu'il puisse te... Oh la vache! Vous faisiez qui, là, les mecs? Et le chef des orques, il en est où? Il est mort? Il est peut-être dans la flotte, hein. On ne sait pas, rien n'est moins sûr. Allez, debout! Ah, il est keblo. Voilà, merci. Ok, il est dehors! Non, arrête de choix! Oui, il est dehors! Il arrête pas de glisser sur les cadavres de ses potes, mais il est dehors! Il est dehors! Allez! Frère, j'ai besoin que tu serves à quelque chose, frère! Je t'en supplie! Bon, il a fait la gigazone. C'est de pire en pire. Ouais, vas-y, bats-toi! Battez-vous, c'est ça! Dans les escaliers, mais c'est mieux que rien. Bam, la gifle! Oh la vache! Oh, le coup de cul! Bouc, le petit coup de pied. À la zone de la téléporte, de la lévitation, de l'amour. Il est mort? Non, t'es pas mort, frère, bouge! Bouge! Putain, il se fait abattre. Bon, clairement, Trafalgar a complètement lock le combat. Je suis pas sûr qui tire eux. Je sais pas ce qu'ils foutent en vrai. Allez, let's go! Oh, il y a encore une catapulte qui est en état! C'était peut-être la seule chance de le faire tomber! Oh, il a glissé! Va-t-il choir? Oh! Oh, le géant abattu! Ça, c'est un conte de fées. Petit dab raté. C'est comme ça qu'il meurt. Merveilleux. Victoire de l'équipe bleue. Petite tricherie de Trafalgar, quand même. Il est mort! Il est mort! Il a été vaincu! Zéro tricherie! Ceux qui ont gagné, c'est la garde qui meurt mais ne se rend pas! Bravo! Bravo les soldats! Fusil bouclier, la voilà la strat, la même que le SWAT utilise! Catapulte alimentée par un cheval! Me demandez pas comment ça marche.
C'est une stratégie comme une autre, impeccable. Bon, et ben somme toute, des grosses bastons. Attendez. Calme. Des grosses bastons qu'on peut terminer héroïquement. Je suis curieux de savoir qui entre Jack Sparrow, Davy Jones. Et Rorono Azoro tiennent la bite. Ouh, belle parade déjà. Ouh, joli. Ça, c'est David Jones qui est off. Et c'est Jack Sparrow qui est off. Ah putain, c'est allé vite. Hein. C'est allé vite. Est-ce que vous pouvez vous battre sur le même bateau seulement? Ou est-ce que c'est possible? Attends, est-ce qu'on peut changer ça? Par mettre de la ligne, ouais. Modifier la ligne. Ah voilà. Voilà, parfait. Ok, nickel. Avec ça on est pas mal. Est-ce qu'on peut avoir donc, disais-je, Rorono Azoro le commandant, David Jones, Jack Sparrow et une armée de pirates. Let's go. Normalement, Rorono Azoro les rince. Normalement, en termes de power level, surtout post-timeskip, il les rince. Déjà. What? Technique secrète. Déjà. Ça, c'est pour être poli, tu vois. Ouh! Je sais pas qui il a rincé, mais il a rincé le commandant. Il reste Jack Sparrow qui apparaît son attaque et David Jones. Il y a deux David Jones? Ah, il y a deux David Jones, pardon. Bon, après, ça ne devrait lui poser aucune difficulté. Hein. Il part les boules! Vous avez vu, il part les météorites! Oh là 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 là! Le power level de cet homme! Que rien n'effraie. Douille. Où est-il? Je vois même plus. Je ne sais même plus où il est. Je vais être sincère avec vous, je l'ai perdu de vue. Il était sous la planche. Il était sous la planche depuis le début. Mais c'est pas un perso de One Piece, c'est un perso de JoJo's Bizarre Adventure. Cette stratégie qu'on ne reverra plus jamais dans les épisodes suivants. Ah. D'accord, ça c'est Rorono Azoro qui se masturbe, mais il en a besoin lui aussi. Voilà, voilà, très bien. Il doit rester un ennemi sous la planche. C'est pas lui, je le cherche, hein. J'essaie de me décaler. Et il a chu. Debout. Où est-il ce fief et coquin? Il doit être en dessous, hein. Il me fait tomber des boules de météorites sur le fiac. Bing. Quelle technique. Battu. Touille. Ah, c'est en dessous, hein. Il est là. Il était là. C'est Jack Sparrow. Jack Sparrow était planqué depuis le début. Pouc. Désarmement. Parade. Tranchage de gorge. Mouvement pivot latéral droit. Regarde ça. Désarmé avec l'épée dans la bouche. Si ça, c'est pas la classe ultime, je ne veux rien savoir, voilà. Merci infiniment en tout cas d'avoir regardé cet épisode d'Aimer Pirate. C'était le thème des pirates. Cette map pirate est absolument exceptionnelle, je tiens à dire. Ça rend très très bien, personnellement. Je trouve ça absolument fantastique. Est-ce qu'on n'a pas une autre map qui juste pour voir la gueule? Paramètres sauvegardés à la bataille. Revenir. Reprendre paramètres. Contenu personnalisé. Fais voir. Ouais, c'est ça. On peut voir quoi?
L'île de Barbe Noire. Ah ouais, elle est toute petite celle-là. Ah ouais, ah ouais, toute petite. Bon, bah on a le temps pour un peu de fun. Voilà. Voilà, un petit 15v15, tout ce qu'il y a de plus honnête. Voilà, rendez-vous sous le préau. Ah, il se tire des dards empoisonnés. Mais c'est vicieux. Ah, une bonne vieille bataille rangée comme on les adore. Voilà, coup de tête. Balayette. Tout le monde est au sol. Voilà, on dirait Hellfest. Le lendemain de Hellfest. Ouais, c'est à peu près comme ça que ça se passe. C'est la même ambiance. De temps en temps, on rajoute une gonzesse avec des tatouages et on y est. Non mais c'est ça, c'est ça. Dans tous les cas, je vous remercie, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine dans un épisode de Totami Accurate Battle Simulator. J'essaie d'aller très vite vers le soleil, mais il ne grossit pas.